Ici, vous avez une des dernières acquisitions du musée. Pour l'anniversaire de la 504, nous avons acquis un coupé 504 première génération. Alors là, on les reconnaît aux quatre petits feux à l'avant, plus le pare-choc inox. Elle vient d'être totalement restaurée par l'atelier du musée et elle est présentée avec ses roues en option, ses roues, ses jantes Dunlop. Donc cette voiture, qui est la dernière acquisition du musée de l'aventure Peugeot, a été totalement restaurée dans les ateliers du musée. Aux ateliers travaillent 6 personnes, entre les ateliers de Sochaux et les ateliers d'Aulnay, pour pouvoir restaurer nos véhicules et tenir nos collections en état. Comme nous avons également ouvert nos services à la restauration des voitures des particuliers. Donc aujourd'hui, non seulement nous restaurons ces voitures avec une personne qui est spécialisée en carrosserie, 2 personnes qui sont spécialisées en mécanique, d'autres personnes qui préparent les voitures avant qu'elles aillent en peinture, puisque nous n'avons pas de cabine de peinture, c'est trop imposant pour le musée. Eh bien, les personnes qui vont travailler au sein du musée et des ateliers vont préparer la restauration et de nos voitures et de celles de nos clients particuliers qui veulent avoir leur voiture restaurée par le musée de l'aventure Peugeot. Pour trouver les différentes pièces nécessaires à la restauration, nous avons deux possibilités. Le musée de l'aventure Peugeot a également relancé un service de pièces classiques, qu'on appelle les pièces Peugeot classiques. Et ces pièces sont des pièces qui sont soit issus d'anciens stocks de concessionnaires Peugeot qui vont nous donner leurs anciens stocks dormants dont ils ne font plus rien et nous les trions et nous les revendons, soit nous refabriquons directement des pièces qui n'existent plus sur le marché aujourd'hui, comme pour des voitures mythiques de la marque, comme pour la 205 par exemple. Donc nous avons déjà, par nos propres moyens, des pièces que nous pouvons utiliser pour les collections ou pour les collectionneurs, puisque notre direction des pièces de rechange et de refabrication travaille aussi bien pour le musée que pour le grand nombre des collectionneurs aujourd'hui dans le monde. Donc il suffit de nous écrire pour voir si on a les références pour pouvoir vous envoyer vos pièces. Et bien entendu, pour le musée, on va profiter également de ces pièces. Si les pièces sont plus rares, on va faire appel à des collectionneurs ou des vendeurs de pièces qui existent de par le monde et qui font également ce genre de recherche. Il faut savoir également que Peugeot est une des rares marques qui possède l'historique de toutes les fiches de construction de tous ces véhicules. Autrement dit, aussi loin que peut remonter la production des Peugeot depuis les toutes premières Peugeot livrées en 1891 jusqu'à il y a 30 ans, puisque nous n'avons en charge que les voitures de collection, eh bien nous pouvons retrouver les fiches originelles des voitures et donc retrouver par exemple la teinte ou les options que possédaient les voitures. On peut également retrouver les numéros de châssis et les numéros de moteur. Ce qui fait qu'on peut également prouver si une voiture est originale ou si c'est une copie. Il faut faire très attention quand on achète des voitures prestigieuses qui commencent à coûter une certaine somme d'argent avant de les acheter. Nous pouvons faire une recherche qui coûte environ 20 euros pour pouvoir retrouver l'origine de la voiture en fonction de son numéro de châssis et de son numéro de moteur et vous dire comment est sortie la première fois la voiture de l'usine. Avec ça, on peut retrouver que cette voiture était brune à l'origine, un brun métallisé, que l'intérieur était en cuir beige et que c'était une boîte manuelle. En fonction de tout cela, lorsqu'on restaure la voiture, eh bien, on va ramener la voiture à son état d'origine. Il faut savoir également que ce service est ouvert à n'importe quel particulier qui aurait des doutes sur la provenance de sa voiture ou qui aurait perdu ses papiers
et qui voudraient pouvoir refaire des papiers administratifs. Pour cela, si la voiture vient d'Europe, eh bien, on peut aller rechercher les documents d'origine pour pouvoir réémettre les documents d'origine signés Peugeot pour donner à l'administration qui pourra refaire les papiers pour réimmatriculer la voiture. Bueno, y con los tres protagonistas Peugeot de la saga Taxi, película que si no vieron seguramente la tienen que ver, se las recomiendo, se termina la visita al Museo Peugeot L'Aventure en Solloy. Nosotros también damos por finalizada esta visita. Hemos conocido muchísimo acerca de la marca, cosas que no sabíamos. Esperamos haberlas podido transmitir bien y que también ustedes hayan enriquecido sus conocimientos históricos. Y déjenme agradecer, por supuesto, que a la gente de Peugeot Argentina, que hizo posible que estuviéramos aquí para mostrarles todo el material que les hemos transmitido en estos dos últimos especiales, y por supuesto al curador y director del museo, Hervé Charpentier, que nos ha recibido con muchísimo entusiasmo, nos ha dedicado mucho tiempo de su trabajo para mostrarnos y contarnos qué es lo que se hace en estas instalaciones. Así que solamente me resta despedirme de ustedes hasta la semana que viene, no sin antes recomendarles que nos sigan a través de todas las redes. Simplemente escriban Escala Clásica y van a poder interactuar con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días.